is calling, but it's hard because I'm falling. Alors, désolé les gars, je viens de recommencer la vidéo parce que la première vidéo que j'ai faite, j'ai eu à confondre et puis j'ai supprimé sans me rendre compte. Donc, sans plus tarder, je pense que vous êtes déjà imprégné de la situation. Bon, concernant déjà le préambule, voilà ce qui doit être, qui doit apparaître au début de nos pages. Donc, lorsque on crée une page, je vais prendre mon cas de tout à l'heure. Voilà, je vais donc ici CTRL N, CTRL S. Si je dois créer une page, comme je vous avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir me positionner au niveau de mon TP2. Au niveau de mon TP2, je vais venir me positionner au niveau du fichier HTML. Et là, je vais écrire, bon, voilà déjà un cas, exo.html. Donc, ce qui fait que pour ne plus à recommencer le code, je vais plutôt utiliser ce code. C'était dans exo 2. Exo 2. Document. Ok, voilà. Donc, je me rends dans mon document, je me rends au niveau de TP Web. Par la suite, je me rends au niveau de mon TP2. Et je me rends au niveau du fichier HTML. Au niveau du fichier HTML, qu'est-ce que je fais? Je copie ce document là. Bon, déjà, pour ne plus recommencer ce qui a déjà été fait tout à l'heure. Donc, bon, ici, on avait déjà eu à répondre au premier, deuxième question, troisième, quatrième question. Donc, sans plus tarder, nous devons passer plutôt au cas de l'exercice 2. Donc, CTRL N, CTRL S. Ici, on va mettre exo 2 TP2. Donc ici, c'est une erreur. Il faudrait que vous puissiez corriger ça à votre niveau. Donc ici, c'est une erreur. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc entrer HTML. Par la suite, je vais entrer le code minimal de HTML. Et je vais entrer ici exo 2. Alors, qu'est-ce qui nous a été proposé dans l'exercice 2? L'exercice 2 ici, on nous a proposé un fichier CSS, je crois. Voilà. Donc, on nous a proposé un fichier CSS. On nous demande d'abord d'écrire dans un premier temps ce bout de code dans notre page web, dans notre page HTML. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le copier. Et puis, à ce niveau, je vais coller. Voilà. Donc, voilà l'écriture au niveau de la page HTML. On enregistre. Et puis on essaie de l'ouvrir. Voilà. Concernant l'exercice 2. Alors, après quoi, on nous a demandé. Ça, c'était la première question. Bon, concernant la première question, qu'est-ce qu'on veut de nous? Ici, on nous demande de taper le code ci-dessous. Donc, on tape et puis on navigue dans Firefox. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Étant donné que j'avais déjà copié, je vais juste faire passer question 1 avant.
Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire à la question 2? À la question 2, on dit de modifier le style. Donc, comme modifier le style avec ceci. Cette fois-ci, on a demandé de modifier le style, donc ça veut dire que notre div n'aura plus. Donc, notre div n'aura plus ce style, mais plutôt celle-ci. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer le code? Il va falloir qu'on mette ceci entre commentaires. Donc, je vais mettre ceci en commentaire et mon commentaire va s'arrêter à ce niveau. Voilà, j'enregistre. Voilà, par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande exercice 3. Donc, concernant l'exercice 2, nous avons fini avec. Maintenant, concernant l'exercice 3, qu'est-ce que je fais? J'enregistre encore une autre page. Ctrl N, Ctrl S. Donc, je vais donner le nom exercice 3. TP2.html. HTML. Et maintenant, pour ce qui concerne l'exercice 3, que nous demande-t-on de faire? Alors ici, on nous demande de recopier cette balise. Bon, le nom du fichier. Le nom du fichier que nous sommes censés donner, c'est pour l'exercice 3. Contrôle C. Je vais me repositionner au niveau ici. Pour l'exercice 3. Le nom du fichier, c'est CTRL V. Bon, j'ai fait une erreur. Oui, voilà mon exercice 3. Maintenant, le nom du fichier, c'est au niveau de CTRL N, CTRL S, CTRL V. Donc, ça veut dire que ma feuille de style va être appliquée à l'exercice 3. Donc, ici, je vais me repositionner au niveau de mon truc. Je vais entrer le code minimal de HTML et par la suite, je vais mettre exercice 3. Et après, quoi, je vais mettre le lien vers cette page. Et je vais entrer le nom de du fichier CSS correspondant. Et maintenant, après quoi? Je copie ceci au niveau du fichier CSS. Au niveau du fichier CSS, le voici. Je colle, j'enregistre. Et puis seulement à ce niveau, j'essaie de copier ceci. Je vais copier ceci. Et je vais le coller au niveau des fichiers CSS. Donc ici, je vais copier, je vais coller au niveau du fichier CSS. Qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon fichier HTML? Je vais donner la direction. Donc au départ, je suis où? Au départ, je suis à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Je mets deux points et je rentre à ce niveau. Après, je mets slash et je tape fichier CSS. Et après quoi maintenant, je donne le nom du fichier où je vais accéder. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre d'abord deux points. Par la suite, je vais mettre slash. Je vais donner le nom du fichier, du répertoire contenant le fichier. Fichier CSS. Et enfin, avant que je vais donner le nom du fichier. C'est ça.
comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc nous sommes d'abord à ce niveau. Nous sommes d'abord à ce niveau. Nous sommes à ce niveau à l'exercice 3. Qu'est-ce qu'on fait? On met 2 points, on rentre. Puis après, nous sommes à ce niveau, à TP2. Après, on indexe le répertoire où on veut trouver le fichier. Donc, c'est-à-dire fichier CSS. Et par la suite seulement, avant qu'on donne le nom du fichier correspondant. Donc, si j'enregistre tout ceci, CTRL S, et je viens enregistrer aussi à ce niveau, CTRL S, et que je lance mon programme au niveau du fichier croix. Voilà, je vais apparaître ceci. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de On nous demande après avoir après chaque modification qu'on pense en enregistrement. Bon, là-bas c'est normal. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de taper maintenant ce bout de code pour pouvoir nous connecter avec notre page. Donc, en fait, l'exercice 3 concernait justement la connexion à la jointure ou l'écriture d'un fichier CSS dans une page externe à une page HTML. Le deuxième exercice concernait l'écriture d'un fichier CSS dans une page d'un code, autant pour moi. Donc, le exercice 2 concernait l'écriture d'un code CSS à l'intérieur d'une page HTML. Le troisième exercice concernait l'écriture d'un code CSS à l'extérieur d'une page HTML. Donc, après ça, nous arrivons au niveau de la question, de la première question. On nous demande maintenant de tester votre nouvelle feuille de style et vérifier que le fond du corps de la page body est bien rose. Bon, c'est ce que nous avons eu à faire. Donc, je vais déjà mettre ceci, CTRL-C. Je vais déjà mettre ça à ce niveau. À ce niveau. Voilà, je vais mettre ça ici pour la question, pour la première question. Donc, puisque voici ça ici, c'est ça qui me permet de tester et de me dire si le fond est bien rose. Donc, ça, c'est la première question. Par la suite, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Concernant le petit 2, on dit que les titres de niveau 2 sont bien écrits. En rouge, les titres de paragraphe P sont bien écrits en bleu. Donc, les titres de niveau 2 et les titres de paragraphe sont dans le TP2. Donc, voilà ici. Ici, on voulait dire titre de niveau 2. C'est ça qu'on voulait dire. Non, ça c'était l'exercice 3, l'exercice de temps pour moi. Donc, ça veut dire que ici on va recopier ceci. Titre de niveau 2 et titre de paragraphe. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? On va coller. On va le coller là. Et on va donner titre de niveau 2, titre de paragraphe. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai le titre de niveau 2, cette fois-ci. Et ici aussi, j'ai le titre de niveau 2. Et ici, j'ai les paragraphes, dans les titres de paragraphes. Qu'est-ce que je vais faire? CTRL S. Je vais regarder est-ce que c'est bien écrit. Donc, voilà les titres de niveau 2. La couleur, c'est rouge. Titre de paragraphe, c'est bleu. Donc, si j'enregistre et j'exécute, il faudrait que je puisse bien avoir cela. Voilà, titre de bon. J'ai fait une erreur. Je devais ancrer paragraphe 2 aussi. Niveau 2 autant pour moi. Oui, voilà, si je CTRL R, j'ai bien le titre de niveau 2 et
le paragraphe. Par la suite, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande question 2. Donc, on a déjà qu'il y avait la... Donc, ici à la question 2, on demande de remarquer. Donc, ce n'est qu'une remarque. Il faudrait qu'on remarque qu'on peut changer. En fait, on peut changer le cours de la question précédente. Donc, c'est-à-dire, on peut changer. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on peut changer cette ligne ici en étudiant uniquement le div. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc, on peut changer ça en utilisant uniquement le div. Et maintenant, on définit alors les propriétés du div plutôt dans la balise CSS, dans le fichier CSS. Oui, pour ce qui concerne la question croix, ici on demande dans le fichier TP de changer la ligne correspondante, dans la ligne qu'on nous disait tout à l'heure en deux, on demande de changer en div. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir div, tout ceci, on aura uniquement div. Et par la suite, ceci, on va redéfinir ça au niveau du fichier CSS. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà eu à le faire ici, comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai la div et j'ai. Ça, c'est la question 2, 3. Donc, j'ai la div, j'ai le titre HTML, titre niveau 3 et la division du fond en deux. Et par la suite, au niveau de mon fichier CSS. Au niveau de mon fichier CSS. Oui, au niveau de mon fichier CSS, j'ai recopié exactement comme le professeur a donné. Si j'enregistre et je lance l'exécution. Voilà, on nous dit de vérifier que le fond est bel et bien donc le fond de la div est bel et bien bon, je ne maîtrise pas bien la couleur ici. Mais vous aurez compris quand même le fond. Voilà. Par la suite, ici, on nous dit, voilà, en bleu clair. Bleu clair. Donc, de vérifier que c'est bel et bien en bleu clair. Donc, ici, on demande les flèches box. Donc, concernant l'exercice, les flèches box, on nous dit, fais le jeu tutoriel suivant. Donc, on donne un jeu tutoriel. Voilà par exemple le jeu tutoriel. Bon, j'avais déjà eu à le traiter. C'est pour ça que ici je suis au niveau 24 sur 24. Mais je vais rentrer pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Pour ceux d'entre vous, bien sûr, qui n'ont pas encore eu à le faire. Voilà, ici, je vais effacer ceci. Ou je vais le couper, tout simplement. Bon, ici, au départ, on a une grenouille et on voudrait traverser un étang. Et de ce côté, c'est la cage où la grenouille dort, qu'ils appellent ici le nénuphage. Il y a ça quelque part. Voilà, le nénuphage. Donc, il faudrait maintenant que nous aidons la grenouille à quitter d'ici, à traverser l'étang et à se retrouver au nénuphage en utilisant la propriété de CSS Justify Contents. Et maintenant, on donne les valeurs par défaut. On dit que lorsque toi tu as flèche start, ça veut dire que l'élément s'aligne du côté gauche du conteneur. Lorsque tu as le flèche end, ça veut dire que l'élément s'aligne du côté droit du conteneur. Center, c'est pour le milieu. Space between, c'est pour les côtés. Et space around, c'est aussi pour les côtés. Mais sauf qu'on tient compte du nénuphage. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que exemple justify contains flash n. Donc si je recopie exactement ça ici, alors qu'est-ce qu'on se rend? On se rend compte que la grenouille a pu se déplacer jusqu'à à son lieu respectif. Pour mieux comprendre ceci, que nous dit le flash n? On nous a dit que le flash n permettait de faire quoi? L'élément s'aligne du côté droit du conteneur. Donc
Alors quand on a tapé, il s'est aligné du côté droit. Si on passe suivant, suivant ici, au départ, bon, je vais d'abord couper ceci. Contrôle X. Au départ, voilà, comme nous avons les grenouilles. Donc, il faudrait que le jaune se retrouve au jaune et le vert se retrouve au vert. Et on nous dit d'utiliser les mêmes propriétés de Justify. Alors, nous serons tentés de vouloir mettre Space Between. Si on met Space Between, ça va mettre les espaces entre les deux. Donc, celui-ci va se retrouver quelque part là et celui-ci va se retrouver un peu devant. Bon, je vais d'abord le faire. Justify content space between. Voilà, comme vous pouvez le constater. Maintenant, si on vient plutôt mettre le space around permet de mettre en fonction des conteneurs. Donc, ça met l'espace en fonction des conteneurs. Voilà, je vais taper around. Vous voyez? Oh, bon, j'ai fait une erreur. Around. Donc, ça met l'espace en fonction des conteneurs. Si maintenant je mets plutôt le flash n. Voilà, ça met du côté droit du conteneur, comme on l'avait dit tout à l'heure précédemment. Si je mets plutôt le flash start. Bon, c'est déjà la valeur par défaut. Je ne pense pas que quelque chose va changer. Bon, ici alors, qu'est-ce qu'il fallait mettre? Il fallait mettre le center. Voilà. Bon, concernant le reste, je vais seulement survoler pour que vous puissiez voir comment les questions. Donc, ici, on va mettre Justify Content Space Around. Donc, pour mettre l'espace entre les grenouilles. Si je coupe, voilà comme c'était. Donc, par la suite, ici, on va mettre le space between. Si je coupe, voilà. Donc, on veut mettre des espaces entre chacun. Donc, lui n'a pas besoin de se déplacer. Lui, il doit se déplacer le même écart entre le vert et le rouge. Et comme le jaune est déjà centré et qu'il doit se déplacer le même écart entre le vert et le rouge, forcément, c'est le between. Par la suite. Maintenant, ici, c'est un autre classique. Je vais d'abord couper ceci. Ici, on nous demande maintenant d'utiliser plutôt Align Items. Donc, ça permet aussi de se déplacer. Mais sauf que cette fois-ci, ça permet de se déplacer en utilisant les côtés horizontaux, verticaux. Donc, on nous donne aussi les mêmes propriétés. Ici, alignement du haut du conteneur, ici alignement du bas du conteneur, alignement du centre vertical du conteneur, alignement de la ligne basse du conteneur, étirement pour s'adapter au conteneur. Donc pour notre cas ici, il faudrait qu'on aligne plutôt du côté bas. On regarde ce qui correspond au côté bas, c'est le côté flèche N. Donc on met align items flèche N. Donc pour le reste, je vais survoler juste idée de voir de quoi il est. Ici, dans ce cas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'utiliser les deux, dans le flex, le justify et le align items. Soit je fais comme ceci. Donc au départ, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord me déplacer. Je me déplace d'abord à la en bas en utilisant le align items. Par la suite, maintenant je me déplace au centre. Soit alors, qu'est-ce que je fais? Je me déplace d'abord au centre et par la suite je me déplace en bas. Je me déplace au centre, par la suite je me déplace en bas. Au centre, par la suite, je me déplace au centre. Voilà, donc j'avais deux opportunités.
Concernant ces petits totoro, bon, vous prendrez, je vous laisse le soin de bien lire les différentes notices avant de vous lancer. Pour ceci, on a besoin de les classer là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin de les espacer d'abord. Donc, je vais leur espacer avec un space between entre eux, puis je vais leur faire avec le flèche N pour leur faire descendre en bas. Donc, c'est ça ici. Donc, j'ai le flèche N. Bon, ici, j'ai d'abord mis le flèche N après le flèche around. Ça ne dérange pas. Donc, je peux aussi faire le space around, autant pour moi. Je peux aussi CTRL-V. Je peux aussi d'abord justifier avant d'aligner. Ça fonctionne toujours. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on a besoin d'utiliser le flash direction qui permet de donner la direction d'un conteneur. Donc ici, il faut voir ça comme les conteneurs en CSS. Donc, on te dit, quand toi tu utilises le row, ça permet que les éléments soient disposés dans la même direction que le test. Round reverse, les éléments sont disposés dans la direction opposée au test. Columns, les éléments sont disposés de haut en bas. Columns reverse, les éléments sont disposés de bas en haut. Donc, ici, il fallait utiliser round reverse. Et ici, alors, voilà les éléments. Donc, on a seulement besoin de les disposer de haut en bas dans Columns. Ici aussi, voilà comme nous avons les éléments. Donc, nous avons le jaune, on a besoin d'inverser uniquement les deux éléments qui se trouvent de chaque côté. Soit je les déplace d'abord d'un côté, après je fais le reverse pour pouvoir avoir directement pour pouvoir les classer directement. Soit je fais d'abord le reverse, après je les déplace. Lorsque je vais faire le reverse, le rouge va rester, le jaune et ensuite le vert, et après je les redéplace. Donc voilà le code. Soit je fais d'abord le reverse, je fais d'abord le flèche N, donc je le déplace d'abord. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais le reverse. Soit je fais d'abord le reverse, soit je fais d'abord le reverse, comme je vous le disais, et par la suite, maintenant, je fais le flèche N. Donc je le redéplace. Ici, voilà les cas que nous avons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on le met d'abord à l'horizontale et puis on le fait descendre avec le flèche N. Soit alors on descend d'abord, après on le met à l'horizontale. Donc, on a deux cas. Bon, ici je vais commencer par d'abord le mettre à l'horizontale et puis je vais le faire descendre. Soit je fais d'abord descendre. Je fais d'abord, je le mets d'abord à l'horizontale et puis par la suite, je le fais descendre. Dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que nous voulons ordonner le rouge, le jaune et le vert. Donc, on nous demande d'utiliser, bon, vous prendrez la peine de lire. Ici, j'utilise Justify Contents. Je donne maintenant l'espace. Bon, au départ, je donne d'abord l'espace entre chaque élément. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je le redirectionne selon les colonnes inverses. Je pourrais faire, bien sûr, le cas inverse. Cela ne dérangerait vraiment, vraiment pas. Par la suite, je le. Donc, vous pouvez le voir. Dans le cas de. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant que on utilise Flash Direction, on utilise Justify, on utilise Align Items. On nous demande de classer ceci là.
Donc, pour ne pas perdre en temps, je vais vous donner directement les différentes étapes. Première étape, qu'est-ce que je fais? Je donne d'abord le flash direction row reverse. Voilà. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Je donne le align items flash n. Donc, je le fais descendre en bas. Et le troisième, qu'est-ce que je fais? Justify content center pour le centrer. Bon, vous pouvez faire l'élément inverse, ça ne dérange pas. Le crest, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici parfois inverser l'ordre des éléments, inverser l'ordre de la rangée ou de la colonne ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Dans ce cas, on peut appliquer la propriété order à un élément individuel. Par défaut, les éléments ont une valeur de 0, mais on peut utiliser cette propriété pour changer la valeur à un entier positif ou négatif. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on nous demande de pouvoir mettre le jaune à sa place et le rouge à sa place. Donc, si je dis order 1, alors ça me met à sa place. Si je dis order moins 1, voilà. Si je dis alors order 0, c'est par défaut. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on avait? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On avait que nous sommes dans ce cas-ci. On a besoin de classer les tests pour que le rouge puisse arriver au rouge. Qu'est-ce que je constate? Pour quitter du rouge, pour que la grenouille rouge quitte du rouge à son étang, j'ai besoin de passer par 1 et 2. Et comme je rentre de ce côté, alors je fais quoi? Je vais mettre par moins 2. Parce que si je voulais partir de ce côté, je vais mettre par plus 2, bien sûr. Concernant le 16, voilà le cas qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin d'indexer uniquement cet élément pour qu'il puisse descendre. Et pour cela, on vous dit que vous pouvez utiliser Align Cells. Donc, ça permet de un élément individuel, de gérer un élément individuel. Donc, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes plus au niveau du pont, nous sommes maintenant au niveau de un seul élément, l'élément jaune, point yellow, pour dire que l'élément jaune. Maintenant, je veux modifier la propriété. Là, je mets. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux propriétés. Donc, c'est-à-dire, je touche uniquement les éléments jaunes. Point yellow. Uniquement les éléments jaunes. Ici, j'ai un Align Items. Start. Donc, la position par défaut. Ici, j'ai un Display Flash. Donc, c'est-à-dire, le visuel rendu. Ce que vous voyez ici. Par la suite, on me dit que le yellow doit être à ce niveau. Pour ça, j'ai deux opportunités. Soit je descends d'abord. Après, je me positionne avec le Flash N. Soit je. Oui, c'est la seule opportunité, je crois. Voilà. Donc, je descends d'abord. Après, je me positionne le flash N. Bon, order 3. Parce qu'il faudrait que vous puissiez comprendre. Ici, pour que je puisse arriver ici, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que, étant ici, je passe de 1, 2, 3 avant de descendre. Donc, lorsque je vais placer pour celui-ci, forcément celui-ci va se placer automatiquement, étant donné que les deux ont la couleur jaune. Étant donné que les deux ont la couleur jaune. Voilà. Ici, maintenant, on vous dit que la fonction flèche droite permet d'utiliser plus de deux. Ça permet de distribuer les. On dit, oh non, les grenouilles sont écrasées dans une seule rangée, de nénuphars. Distribuez-les en utilisant les propriétés flèche droite qui acceptent les valeurs suivantes. No wrap, c'est pour tous les éléments sont tenus. Tous les éléments sont tenus sur une seule ligne, un peu comme ça quand c'est no wrap. Wrap, c'est pour les éléments s'envelopper sur plusieurs lignes au besoin. Donc, si je tape par exemple flèche wrap,
et je tape voap. Vous voyez que les éléments peuvent descendre sur plusieurs lignes. Voilà, donc ici, nous avons ce cas. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise direction pour mettre sous forme de colonne, et puis on utilise voix pour utiliser plusieurs lignes comme tout à l'heure. Bon, pour ne pas être trop long, je vais survoler le reste. Donc voilà ce qu'on avait, voilà ce que nous aurons. Voilà ce qu'on avait. Et voilà. Voilà ce qu'on avait. Voilà ce que vous aurez. Donc, déjà, sachez que cette partie, si vous devez mettre ça sous forme de capture d'écran. Donc, vous devez capturer l'écran, la position comme ceci. Et puis, quand vous devez remplir, vous devez capturer l'écran. Bon, pour l'exercice 4, je vous laisse l'opportunité de chercher. Donc, voilà ce que vous avez au départ. Moi, je vous ai mis à ce niveau et le reste, j'attends vos différentes réactions. Donc, vous devez donner la capture d'écran de chaque cas en fait que vous aurez eu à être implémenté. Donc, vous devez mettre la capture d'écran dans vos différents fichiers de résolution. Bon, concernant l'exercice 5. Ah non, question 2 d'abord, exercice 4. Oui, ici. Ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser le même principe. Donc, use the justify contents property to move this to tower into positions. Click the button in the starship for a reminder on how the property works. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre avec justify contents. Et puis par la suite, je vais mettre un space between. Non, je vais mettre un center. Et là, qu'est-ce que je fais? Je lance mon jeu. J'ai perdu. Je vais recommencer. Justify content space. Vraiment très mal joué cette fois-ci.
vais recommencer. Justify content center. Justify contents center. Et je vais relancer. Cette fois-ci, j'ai eu une grâce. Par la suite, ici, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me positionner. Justify. Content. Je vais me mettre où? À la fin. Plus N. Par la suite, ici, je vais me mettre au milieu. Justify. Content center. Et aussi ici, je vais mettre à la fin justify content plus n. Et là, je lance. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'il est question concernant cette deuxième partie. Je pense que vous avez compris le principe. Si c'est ce cas, je vais me mettre justify center ici. Ici, je vais mettre space between. Donc ici, je vais mettre justify content center. Ici, je vais mettre space between. Pour que ça aille plus rapidement, je vais copier ceci. Je vais coller là, mais ici je vais mettre space between et là je vais lancer. Donc le principe du jeu, c'est comme ça jusqu'à au petit 12. Donc je vous laisse faire le reste et faire les captures d'écran pour montrer au professeur que vous avez eu à le faire. Bon, concernant le dernier exercice, je pense que vous pourrez le faire, mais si vous avez la difficulté, vous me faites signe pour que je puisse vous aider concernant vos CV. Merci. En passant, j'oubliais. Après ça, il faut faire une synthèse. Donc, pensez à faire la synthèse. La synthèse, c'est quoi? Donc, vous devez maintenant, après avoir fait tous vos fichiers, vous devez vous rendre au niveau de vos différents exercices. Donc, exercice 1, par exemple. Par la suite, vous prenez exercice 2. Vous prenez le contenu de l'exercice 2 avec ces questions. Vous pouvez venir coller au niveau de l'exercice 1. Donc à la suite de l'exercice 1, vous mettez exercice 2. Donc ici, exercice 2. Donc
dans ici Exode. Donc ici vous avez Exode, oui bien sûr, vous avez que la première question suivante et la seconde question. Dans la seconde question ici, étant donné qu'il y a eu modification, donc il y a première question, deuxième question. Après ça, il y a exercice 3. Vous prenez uniquement ce qui concerne la partie que vous avez eu à travailler. Et puis vous venez coller aussi dans un fichier que vous avez créé, bien sûr. Ce n'est pas comme si vous devez mettre ça dans le même fichier comme moi. Ici, ce n'est que pour vous expliquer. Donc, à partir d'ici, Exode, je copie. Et je viens à ce niveau, Exo. Question, première question, oui, donc ici. Voilà l'exercice. L'exercice 3. Et après avoir fait maintenant tout ceci, vous enregistrez. Donc, c'était même pas fini. Bon, normalement, vous devez faire quoi? Vous devez contrôle C. Vous devez maintenant, après avoir fait tout ceci, vous rendre au niveau de votre dossier ici, créer un nouveau fichier. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Ctrl N, Ctrl S. Donc, au niveau de mes fichiers, au niveau de TPE, TP2. Donc, c'est ici que je vais créer donc ce qu'on avait donné, qui était TP1.html. Donc, TP1. .html, HTML, qui est le fichier de synthèse. Et vous avez mis ça à ce niveau. Donc ici, vous collez ce fichier. Vous enregistrez. Par la suite, vous créez aussi un autre fichier, CTRL N, CTRL S. Vous venez à ce niveau, au niveau de CSS. À ce niveau, bien sûr, vous prenez. Vous enregistrez le nom de, c'est déjà là, tp7.style, bon, parce que c'est ce qu'ils ont demandé, tp7.style. Par la suite, qu'est-ce que vous faites après l'avoir fait? Vous enregistrez, bien sûr. Donc, nous, ici, on va plus enregistrer parce que c'est déjà fait. Et maintenant, une fois que vous l'avez fait, il faudrait que vous vérifiez alors le référencement. Le référencement, c'est quoi? Le référencement, comme je vous le disais, c'est le nom de, comme par exemple, pour moi, ici, c'est tp1. TP1, si je prends TP1 et puis je l'ouvre avec ici le référencement, c'est le nom de mes liens. J'ai d'abord un premier lien, je sors du fichier, je me rends dans image, je me rends dans fichier image et puis j'occupe l'image. Par la suite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un second fichier qui était dans l'exercice 3 qui consistait à prendre du style à l'extérieur. Donc j'ai besoin de cette ligne de code que je viens coller au niveau de TP1, au niveau en bas du titre, bien sûr. Une fois que je fais, je l'enregistre. Après l'avoir enregistré, j'essaye de l'exécuter. Donc pour moi ici, c'est TP1.html. Je prends le lien, donc je copie ce lien, CTRL C. Je viens au niveau de mon navigateur. J'ouvre mon navigateur, nouveau onglet. Je prends CTRL V, le nom. Et par la suite, je mets TP1. TP1.html. Et je lance. Et voilà le résultat. Bon, pour ceci, il faudrait déjà que vous cherchiez. Étant donné que nous sommes en train de faire la synthèse, donc vous devez retirer. Vous devez mettre en commentaire tous les autres questions qui ne vont pas intervenir. En l'occurrence, je parle de cette question, qui est la question 1, bien sûr. Donc, ici, elle n'a pas à être là dans la synthèse. Donc, ici, je vais mettre ça en parenthèse. CTRL S. Et puis, je viens encore à mon niveau. CTRL R. Il y a encore. Il y a deux fois la même chose, donc je vais retirer. Je me rends toujours à ce niveau. Je regarde à quel niveau. Donc,
Ces questions se sont intermédiaires. Mais le professeur, au moins, se passa, va savoir que vous avez eu à l'aise les écouter. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.